Yo, re à tous. Voilà, voilà, ça y est, on est de retour. Bim. On est de retour. Voilà, voilà. Alors, pim, pim. Donc on va se mettre sur la radio, on va voir si ils sont toujours là. On va voir s'ils sont toujours en radio. Ah, oh, c'est Kérouikou, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la radio? Ouais, je suis là, on est là. Ok, bah ça va, je suis revenu. Ah bah ça va, c'était... Ah ouais, ouais, bah ouais, fallait que je fasse un truc, donc c'était rapide, t'inquiète. Bah et vous en êtes où, alors vous faites quoi de beau? Personne, moi je vais finir le service. Ok, bah je te propose, on se retrouve au garage central. Ok. Ok, bah vas-y, je pars de la maison, alors. Oui, prépare-toi par mail. Tu vois, tu me parles pas. Pas moi, David, pardon. Qu'est-ce que dégueulasse. Ah oui, je voulais voir un truc. Normalement, j'ai plus d'argent sur moi. Donc, je voulais faire le calcul exactement combien j'avais gagné. Donc, on est à 308 000. Donc, 308 000 moins 266 000 égale 42 000. Ouais, c'est largement plus rentable. Voilà, on a sorti la Sanctus. C'est long de... On la sort pas souvent celle-là. On la sort pas souvent. Je suis un appel. Ok, bien bossé. Ah, c'est la classe avec le petit bandana là. Pom 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 pom.
On va se méfier, là on est en moto. Parce que là, si on se pète la gueule, c'est coma direct. Hein. M'a arraché la gueule. Plaisir, un petit tour de moto là. Mis dans sa dans sa voiture tranquille.
c'est bon, je suis là, je vous aider. Okay. Ouais, je me suis mis à la boue dans la voiture, tranquille. Ouais, t'as raison. Ah, je me mets dans la boue, y'a quoi? Hop, j'étais en train de changer le petit fond d'écran sur le téléphone. Bon, si on allait faire un tour à ce concessionnaire là. Ouais, tu veux faire un tour là-bas? Ouais, bah ouais, c'est pour ça que j'ai dit on se rejoint là, comme ça, si je, quand je vais acheter la voiture, j'ai pas ma voiture dans les pattes, quoi. C'est toi ou sur votre email? Ah, c'est moi. D'accord, j'ai l'application aussi sur le téléphone, tu sais. Ah ouais, bah ouais. Ah bah ça va, j'ai eu de la chance, il s'est mis à pleuvoir quand je suis arrivé, avant que je suis venu en moto, donc j'ai dit oh bah c'est bien, il fait beau quoi. Bah non, après il a plu quoi. Ouais, c'est... Je sais pas, c'est... D'accord, hein, le bus arrive en plein milieu. Ouais, bah ouais. Il était mal payé, il touchait un dollar de salaire, alors il s'est cassé, il a laissé le bus, il l'a abandonné. Ah, il gagne 50 centimes, tu sais. Ouais, bah ouais, c'était 50 cents. Ah ouais, 50 cents. Ça se passe bien de ton côté, là? Oh bah, comme d'habitude, hein, tu sais, hein. Mieux que hier soir, non? Oh non, c'est pas vrai, hein. Ah, mais hier soir, c'est pire, non? Ouais, mais après, ça a évolué, tu vois. Ça a évolué dans le mauvais sens. Aujourd'hui ou hier soir? Hier soir. Mais alors, attends, tu vois, j'ai fait le petit calcul là. Du coup, tout à l'heure, je l'avais pas fait. Attends. Alors là, tu vois, tout à l'heure, quand j'ai travaillé, tout à l'heure, j'ai fait 42 000 dollars. Ah bah ça va, c'est rentable. En 2 heures. Donc tu imagines si je travaille 4 heures, je fais 80 000 dollars. Ça fait Donc à ça peu près va. deux. Ça fait à peu près en. Tu m'as dit en 2 heures, c'est ça? Ou à 1 heure? Ouais, en 2 heures. Ça fait à peu près 2 runs de tabac. Ouais, donc tu vois. Ça va. Ah bien, c'est mal habillé, attendez. Ouais, on va aller voir le catalogue de la direct. Fait chier la pluie là, toujours la pluie là. Tu sais, coup, Ouais. il pleut depuis que mon frère est arrivé en ligne, en ville. Ah, tu veux dire, c'est lui qui a amené la pluie? Attends, écoute la radio, attends. Hé, Jérôme? Oui. Je vais te constater un truc, en fait. Oui. C'est que depuis que t'es arrivé en ligne, en ville, en fait, il fait que de pleuvoir, en fait. Ah, mais écoute, moi, j'ai un problème. C'est un signe, moi je dis que c'est assez. Moi je dis que c'est un signe. Ah, bah je peux le foutre. Ouais, bon, bah je vais te faire voir les petites voitures là que je les ai, tu vas voir. Alors, hop, le catalogue, on l'ouvre. Hop là, voilà. Alors, tout d'abord, il y a. Alors, attends, on va tourner les pages. Alors, elle est où là? Tu m'entends, quelqu'un? Ouais, je t'entends, ouais. Alors, elle est où la première voiture que j'ai vue? Ah, bon, il y a la Cognoscenti là, celle comme le patron est là. Attends, je cherche dans le catalogue. Ouais, elle est sur la page des comètes. Bon, c'est la même que Pierre Rouille là, tu vois qu'il avait hier. Ouais, je les vois, je la vois. Voilà, il y a ce. Ah non, Constant, très brio, non, attends. Ah voilà, c'est bon. Ouais. T'as vu, ça par la Voilà, pluie? ouais. Ça par la pluie? Après, il y a laquelle? Alors, après, on tourne les pages. Après. Après, voilà, faut aller un peu plus loin. Alors, elle est où? Alors. Après il y a le Grandeur là, le 4x4 là que j'aime bien aussi là, qui est sympa. Bon après c'est pas les voitures puissantes, hein, mais c'est les voitures pour faire le taxi quoi. Bah je sais qu'il y a moyen de faire des petits trucs là sur le Grandeur. Attends, je te cherche.
Elle est sur la page du Burrito 2 là, de l'agence Touriste. Ouais, c'est plutôt SUV ça. Ouais, voilà. Ensuite. Ensuite, elle est où? Alors bon, j'ai aussi sélectionné la Kuruma, tu vois. Bon, après, c'est pareil, il faut que je puisse faire deux couleurs, tu vois. Il y a la Kuruma, donc ça, tu la connais. Ah, tu veux, je crois que tu peux faire une couleur. Hein. Ouais, Mais je. toi, mais pourquoi deux couleurs en fait? Parce qu'il faut que je la fasse jaune et noir. Moi, je kiffe le taxi jaune et noir. Bon, après, je peux faire que jaune, mais. En fait. Il faut que la Kuruma ne fait que jaune, il semble, de Ouais. mémoire. Après, il y a la Primo 2. La Primo 2, c'est. Je sais qu'il y a des belles customisations dessus, tu vois. Bon, en plus, ça coûte pas très cher, celle-là. Hein. Comme Dédé, tu la vois. Elle est sur la page du prototype. Hein. Ouais, pas mal celui-là. Donc il y a celle-là qui me plaît le. Alors celle qui me plaît le plus, c'est celle-là. Et attention, on continue, on va plus loin. Et là, on va aller dans la classe là. Hein. Là, c'est autre chose. La Superbe, elle est sur la page de la Sultan. Et sinon, t'en penses pas attendre. La chapitre 3. Elle est après. Ah bah oui, Elle est avant. c'est dans les S, ça, bon. La Shifter 3. Bah la Shifter 3, oui, elle est belle, mais elle est à 460 000, quoi. Je vais pas mettre à 460 000 pour faire le taxi, tu vois ce que je veux dire? Donc là, j'hésite en fait, j'hésite vraiment entre la grosse Rolls-Royce. Là, franchement, je la ferai taxi classe. Ou alors la petite Primo 2, quoi. Parce que plus pour la prime. Ouais, moi aussi, c'est ce que je me dis, mais je me dis, elle est pas chère, est-ce qu'elle va, tu vois, est-ce que même custom, elle va avancer, quoi. Parce que elle, je sais qu'en fait, tu peux faire deux couleurs avec des stries. Tu peux la faire de deux couleurs, celle-là. Après, elle n'est pas faite pour rouler très vite. Mais tu peux faire pas mal de comme dessus. Ouais, parce qu'après, j'hésite entre la classe, tu vois, bien cool, tu vois, genre le taxi en Waltz, ou celle-là, mais je pense que celle-là, elle est bien. Hein. Bon, après, tu me diras, je peux acheter les deux, hein. Je peux acheter celle-là, et puis si vraiment ça me va pas, je peux acheter l'autre. Tu vois, j'achète celle-là, et puis après, quand le Dahlia il est ouvert, je la fais custom, et puis après, je demande si l'autre, on peut la faire de deux couleurs aussi, quoi. Ouais, c'est sûr que après voilà, faut voir. Ouais, bah je vais acheter la Primo 2. Moi, la Primo 2, elle me plaît bien parce que je sais que tu peux changer les pare-chocs, je crois. Il y a de la belle customisation à faire Et dessus. il me semble que tu peux faire des trucs avec les suspensions dans cette approche. Ouais, mais moi, j'aime pas ça, les suspensions low-rider, là. Ouais, non mais Ouais, bon. ouais. Non mais je te le dis, tu sais que Ouais, tu peux bah faire ouais. des trucs assez sympas, tu vois. Oh, excuse-moi, je bois un petit coup de limonade là. Alors, bah faut que j'aille tirer l'argent, donc 43 000. Allez, on va tirer 43 000. Il y en a qui se font plaisir, moi je dis ça, je dis rien. Je veux dire, je veux qu'il nous donne l'argent là, David.
T'as deux couleurs non dessus non? Ah non. Ah ouais, elle est magnifique, putain. Ah, en plus, t'as vu, tu peux faire l'intérieur aussi. Ah, par contre, je croyais pas que. Je la voyais pas aussi longue, hein, mais elle est longue. Hein. J'ai dû faire une manœuvre pour sortir du garage. Hein. Ah bon? Ouais, elle est super longue. Hein. Tu sais que je me tâte à la prendre. Ah, elle est belle. C'est une voiture 4 places en plus. Ouais, bah ouais. Ah, elle est vraiment belle. Hein. J'aime bien les jantes. Hein. 843 000. Ouais, 43 013. Bah vas-y, tiens, monte avec moi, on va essayer de voir déjà comment elle roule d'origine. On va voir, mais bon, à mon avis, ça avance pas beaucoup. Ouais, c'est mou, hein. Là, je suis à fond, hein. J'accélère à fond. J'ai eu à 150 mais où j'ai rêvé. Ouais. Bon, après, on va pas aller trop loin, mais. Oh, si, ça va, elle a du mal à se lancer en fait. En fait, elle a pas de reprise, mais ça va. Ouais, je pense qu'une fois piston, je pense que ça lui fait bien, tu vois ce que je veux dire. Ah, bah ouais. Mais par contre, t'as vu, ça fait large, ça fait long. Ah ouais, elle est belle. Ouais, le coffre, 20 kilos, tu peux mettre dedans, dans le coffre. Ah ouais, 20 kilos. Ouais, bon, de toute façon, les coffres, c'est de la merde. De toute façon, quoi qu'il arrive, si t'as pas un camion, t'as un petit coffre de merde. Ouais, c'est pour ça que j'ai acheté le MUL 3, tu vois. Ouais, bah oui, t'as raison, hein, parce que pour avoir du coffre, t'as vu, même le Guardian, il a 55 kilos, tu mets rien dedans, quoi. Non, franchement, les... Hey. Après, c'est qu'une fenêtre qui me dérange dessus. Bon, ça fait petite moi. C'est qu'elle est un peu carrée, tu vois. Ou rectangle, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, moi. Moi, j'aime pas trop les voitures rectangles, mais sur cette voiture-là, je trouve que ça va, tu vois. Bon, ce qui est dommage, c'est que. C'est qu'il n'y a personne au derrière, tu vois. Ah ouais, t'as les clignotants devant en fait, de côté en fait devant. Ouais, et derrière aussi, t'as les clignotants sur le côté, sur le pare-choc. Ouais, et derrière aussi, t'as vu? Ouais. Ouais, ça serait pas mal en fait. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, désolé, j'étais obligé de tester, désolé. Hein. Ouais, bah ouais. Non, moi j'aime bien, tu vois. Après, avec. Ah. Après, avec un petit kit carrosserie, là. Voilà, la page jaune et noire là. Par contre, les jantes, pas sûr que ça me plaise. Hein. Ouais, mais après. Ah, moi j'aime bien, moi. Ou les roues, tu sais, je sais pas, c'est. Je sais pas. Ouais, moi j'aime bien, moi. C'est pour ça que j'avais sélectionné celle-là, tu vois. Après c'est moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, en plus après, ça doit pas être cher à custom. Hein. Oh, y'a moyen de faire quoi? Y'a moyen de faire du beau truc dessus, hein. J'ai envie de... Qu'est-ce que ça me tente de l'acheter? Ah ouais. Vas-y, je vais au garage. Je vais mettre ma voiture au garage. Ah, vas-y, tu veux, je viens avec toi, vas-y. Comme ça, je te récupère. On va au garage et puis on revient ici après. Ok, vas-y.
Ah là, je suis encore en train de craquer encore. Ah, moi je t'ai vu, t'as disparu devant moi, tu étais derrière moi. David il va craquer, David il va craquer. T'as vu, il y a les suspensions d'origine. Ah ouais. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est le même bouton que pour courir et que pour la radio et que pour le téléphone. Hein. Je vois ça. Ah ouais, comme ça. Ouais, désolé, Jérôme, pour les oreilles. Hein. On a fait le faire, désolé. Ouais, t'as fait, je suis après toi, de toute façon, vraiment pas. Et Kirikou, il est en train de craquer là, il est en train de craquer son tout. Y'a plus que Sorcier qui est en train de craquer, et Sorcier aussi, il est en train de craquer. Oh bah, bye bye, hein, Kirikou. Ah, cette fois, je t'ai vu tomber. Je t'ai vu tomber direct, hein. Toujours attaché sa ceinture. Oh, ouais, bah ouais. Ah, c'est très important, ça. Il faut la prendre un code. Bah, pour une fois aussi, c'est bien. Tu vois, je t'ai vu tomber, donc j'ai pas été trop loin. On va dépenser le peu de coups que j'ai. David il va craquer, David il va craquer. Ah bah voilà. Bah j'ai envoyé un message à Dalia pour voir s'il y avait quelqu'un pour un custom. Eh, Kirikou. Ouais. On s'est dit de faire une blague à Jérôme. Ah vas-y, je vais boire. On est dans mon mobilier, d'accord? Ouais. Là tu prends ta voiture, je prends la mienne. Et on débarque tous les deux. Ouais mais ça va faire gouiller. Comment ça grille? Bah c'est tout, il demande où c'est qu'il est, puis quand on débarque, il va savoir que c'est nous, tu vois. Mais non, mais justement, on dit qu'on a perdu une voiture.
Ou t'arrives le premier ou j'arrive le premier, tu viens derrière. Ouais, ou alors tu sais ce qu'on fait? On arrive derrière lui là, derrière son camion là. Et puis on le suit et il y en a un qui se met devant, l'autre qui reste derrière. Tu vois, moi je passe devant, toi tu te mets derrière et on fait genre on va le braquer. Ouais, mais faut quand même savoir où il est, quoi. Je veux Ouais, dire. bah ouais, demande-lui où il est. On fait quoi, Jérôme? On va lui mettre la pression. Jérôme? Où ça? Il est où, Jérôme? C'est fou du tabac. Ah, et t'en as pas longtemps ou quoi? Ouais. Bon, vas-y, tu sais quoi, mon petit David? On va là-bas, tu sais, on se garde devant, chacun d'un côté là, on l'attend, on le zut. Et comme ça, dès qu'il part, hop, on fait genre, on le suit. Ok, ça marche. Bah, nous on va Vas-y. à la pêche. Nous on va à la pêche si jamais. Allez, vas-y, on se met en route, on va lui faire le coup. Écoute, si je suis gêné, tu me le dis. Hein. Oh, voilà, comme ça tu me gênes plus. Bonjour. Tu feras gaffe, mon petit David, il y a deux voitures bleues suspectes. Elles sont sur l'autoroute. Voilà, Jérôme. Ouais, Jérôme, tu feras gaffe, hein, il y a deux mecs bizarres là, des voitures bleues là, qui traînent du côté du nord là. Pas chez nous, quoi. Pas chez moi, plutôt. Tu veux que je vienne pour te protéger? Ouais, je sais pas, ouais, si t'as une arme sur toi. Toujours mon arme sur moi. La roue Kirikou, tu sais où ils sont? Non, pas vraiment. Ils m'ont doublé sur l'autoroute, là, et... Je sortais de la ville là, direction le tabac. J'arrive, je me dépêche, j'ai pas tout le temps, j'arrive en bombe, je les custom, donc ça va. Essaye de te cacher au pire si jamais tu te vois.
suspecte. Ouais, t'as des problèmes ou quoi? Ouais, il y en a un petit peu trop de mal. Pourquoi t'es rico? Enfin, ma teuf. Bon. Ouais, comme ça. Ah, bougez pas, levez les mains en l'air, monsieur. Ah Ouais, non. quoi, tu fais des prêts d'argent, tu lui payes un Ah rabaissement, et après non, tu fais ça. baissez les bras, vous avez des trous dans votre chemise. Bon, il Ah n'était bah pas c'est vraiment pas. sacro là, faudra mieux faire la prochaine fois. Ouais, bah ouais, bah ouais. Bah t'as vu le petit coup de la radio là, avec les mecs suspects là, hein, bien, hein. Tu sais qu'on en a discuté, tu sais on en a discuté du plan. Allez, Jérôme. On place une partie du concessionnaire. Attends, je vais me garer mieux. Je vais me garer mieux là. Regarde d'ailleurs comment il finit ses coups. D'abord, regarde Kiriko, regarde. Si jamais tu. Mais moi, te préviens qu'il y a des mecs, d'accord, sur nous qui arrivent sur ta position, d'accord? Ouais. T'as vu comme Kiriko s'est garé là? Non. Là, à côté de ton camion, d'accord? Devant, en fait, il s'est garé devant, d'accord? Comme là, tu vois? Lui, là, en travers. Ouais, tu vois, il s'est mis en travers, d'accord? Quand Kiriko s'est mis en travers, là, tu vois. Kiriko s'est mis là. Toi comme ça, en Ouais. voiture. D'accord? Et moi regarde, là, je te montre, je me suis mis comment. T'as vu comme je suis mis? Loin de la porte, comme ça tu me vois pas en fait. Donc si jamais on te dit qu'il y a des mecs chelous, d'accord? La première pensée que tu fais, tu regardes l'entrée qui est devant, d'accord? Et tu regardes derrière, et tu regardes derrière. Si les besoins, ils peuvent venir derrière, tu vois ce que je veux dire? Ou, sans faire gaffe aussi là, en face, là, tu vois, en face, là. Déjà, les gens, ils peuvent se cacher là-bas derrière, tu vois? Ouais, là, dans la case d'avion, là. Dans la case d'avion. Les gens, ils peuvent se cacher dedans. C'est pour ça, regarde, quand t'es là. Au pire, tu le mets de côté, au pire, tu vois. Tu le mets quelque Ouais, part de côté. c'est clair. Comme ça, tu vois les gens en fait arriver. Tu vois forcément les gens arriver d'un côté ou de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et comme ça, c'est le jour où Ouais. t'as vraiment un problème. Si c'est lourd, tu peux me louer. Si je suis très lourd, Vas-y, tu peux me ouvre-le, je te montre comment. Vas-y, ouvre-le, je te montre comment le mettre. Bah, tu sais, en cas si tu vas attaquer, tu vois. Ouais, bah ouais. Tu vois les gens arriver, tu vois. Il l'a pas ouvert.
Ah bah, Non, et non, t'es éjecté, toi. voilà, je te l'ai mis. C'est bon? Ah, c'est bizarre, moi, je le C'est vois là, quoi? le camion, là. Ah, c'est toujours ici, hein. Il est toujours à Ah la non, même il est plus place. ici. Ah bah, on a des problèmes. On a des problèmes de yeux parce que moi, il est toujours à la même place. Hein. Moi, je t'ai vu sortir du camion et t'as été éjecté derrière ma voiture là-bas. Il se voit, le camion, il est là-bas derrière, les mecs. Hein. Non, ça fait plus de yeux dans le camion. Ouais, mais quand même, il est juste là, 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 il est juste à côté. Attends. Ah ouais, bah ça va, ça me rassure. Toi, tu vois la même chose que moi. Ouais, on regarde le. Ah oui, là, c'est fermé. C'est bon pour vous là? Bah là, t'es toujours à la même place qu'au début, là. David, va faire un petit boulot parce que. Allô, allô? Ouais, bah t'es toujours à la même place que tout à l'heure, hein, qu'au début, hein. David, va faire un boulot. Surveillez ma voiture, s'il vous plaît. Ouais, vas-y, je vais me mettre à côté. Je vais quitter un dodo quand même. Bon, ben voilà, on a notre futur taxi. C'est chaud, il n'y a personne. Toujours, toujours, toujours et toujours. Fait que ça pleuvoir. Il fait toujours que ça pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. C'est toujours la pluie, hein.
Ouais, excuse-moi, j'étais parti dans ma tête là. Ouais, bah normalement, il va revenir. Tu sais, je pense que tu as dû entendre à la radio. De quoi? Je vais m'acheter le même camion là, le grand, le FedEx. Ah, t'as vu, il y en a un à vendre sur l'application. Justement, c'est sur l'application que je vais acheter à 25 000. Ouais, parce que j'avais dit à David, justement, lui qui cherchait un camion, si vous voulez, il y avait celui-là, il est bien. Justement, je suis sûr, parce que le vendeur m'a donné un rendez-vous ce soir. Ah bah c'est bien ça, parce qu'en plus tu peux mettre, je sais plus, c'est 150 kilos je crois dans les camions comme ça. Il me semble. Attends, je vais mettre ça. Bon, par contre, c'est dommage, il n'y a personne pour custom la voiture. C'est 250 kilos le camion. Ouais, bah ouais, tu peux en faire avec. Ça, là, le petit, je vais le garder pour la bouffe, etc. Et les grands, sur les grands, je vais garder pour la bouffe, ça. Ah ouais, bah ouais. Une petite pause là avec le travail. Bon, j'espère qu'elle va revenir là, David. J'espère aussi parce que là, je vais attendre. Bon, après, toi, si tu veux faire ta petite livraison, vas-y, hein, je reste là, je l'attends. Pas de soucis. Seulement, je suis obligé de revenir, donc du coup, là, quoi. Ouais, non, fais ta livraison tranquille, je garde sa voiture. Pas de soucis. Par contre, faut qu'il pense à fermer ses véhicules, quoi. Ouais, parce que lui, il ne jamais, je crois que j'ai l'impression. Alors là, je suis sur mon véhicule, désert. Lequel? Le camion. Ah, c'est bon, il est fermé. Ah, en fait, ça marche.
Y'a quelqu'un sur la radio? Affirmatif, mon petit David. Non, moi que je vois plus aucun véhicule à part comme ça. Non, moi je suis j'ai pris ta voiture à côté de la mienne et je suis toujours là, je t'attends. Je vois juste la tienne. Bon ben, la tienne elle est juste à côté de la mienne et il y a le camion à Jérôme à côté là-bas. Tu me vois? Non, je te vois pas. Quelqu'un avec une voiture noire là qui arrive. Mais c'est rare que ce monde cite. Ouais, bonjour, ça va? Ça va vous? Bah, ça va bien. C'est rare que ce monde cite, hein? Ah ouais, j'attends là, j'attends le petit David là, le collègue. Ok, hey, t'as-tu mon numéro? Tu m'appelleras, je vais vous donner une coupe de pièces, deux. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais, mais c'est toi, Pierrot, je t'avais pas reconnu. Ah ben oui, c'est moi! Ah ouais. Dis-moi, tiens, j'ai une question à te poser là. Ah bah oui. En fait, est-ce que ça te dérangeait, tu vois, j'ai acheté la petite voiture derrière moi là, et je voudrais la faire couleur taxi et m'en servir pour faire le taxi, ça te dérangeait? Non, non. Je voudrais checker, ouais, sinon j'arrête plus. Au pire, à la marque avec moi, je vais te montrer mon idée à moi, les tests. Ouais, ah, bah ben, ouais. Ben, tu l'avais vu mon auto là, la Cagnotti? Ouais, ouais, j'avais vu, ouais. Ok, elle est 130 000 là, mettons, et si en fait, je pourrais quasiment vous la payer, puis payer modification, maintenant. Ah ouais? Ouais. Si tu veux, là, je pourrais aller t'en acheter une droite là, là. Ouais, ben, y'a pas de problème. Si tu veux qu'on soit uniforme, y'a pas de problème. Bon, là, ça, on aurait toute la même. On n'aurait pas le vieux taco, là, t'sais. Ouais, ben, ouais, tu m'étonnes, ouais. Non, c'est ça, l'autre, il est pas beau, ça, là. Ah ouais, non, l'autre, il fait des bois bizarres, quoi. Donc, si tu veux, viens-t'en au concess, viens-t'en, on va aller l'acheter. Mon père, on va attendre David, là, s'il veut. Ah, ben, lui aussi, dans le fond, il s'est acheté celle-là pour pas le taxi. Ah non, lui, il s'est acheté celle-là parce qu'il lui plaisait. Ok. Sinon, mon père, c'est. Ok, ouais. Ouais, ben là, je l'attends parce qu'il a des problèmes de mégouane. Ok. Ok, non, il n'y a pas tout. Ouais, c'est un peu le tour, il n'y a pas de scène. Ouais, dis-donc, il pleut toujours, hein. Ah ouais, hein, c'est ça, c'est pas beau ça. Ah c'est ça l'automne, l'hiver, le printemps, et moi. Ah oh bah ouais, c'est ça, ouais. Alors je vais voir s'il est sur la radio. David, tu es là où t'étais, David? Yo. Ah bah voilà, hop là. Il vient de la night.
Si il vient d'atterrir dans mon corps. Bon, ça va, t'es là, mon petit David? Voilà, ça y est, tu me vois, regarde. Ah, c'est bon. Hop là. Bonjour, Pierre, comment ça va? Ah, mais vous? Ça va, ça va. Ah, oui. Vous voulez, on va aller au concess, je vais aller vous acheter chacun un cognotis pareil. Et comme ça, vous allez avoir le même char que moi, là, le jaune, là, je sais pas si vous l'avez vu. Là. Ah, ouais, mais David, il travaille plus au taxi. Embarqué, j'allais vous en acheter un chacun. Mais moi je travaille plus au taxi, frérot. Ah, tu travailles plus au taxi, hein? Non, non, je travaille plus au taxi. Ah non, ça fait longtemps, c'est vrai. Ah ouais, je suis dans le champ. Ah ouais, ben c'est pour Kirikou. Ah, c'est bon, ça va me coûter 130 000 de moins. Ok. Yes, sir! Oh, c'est bien! Par contre, c'est bien Kirikou, parce que tu vois que le monde est là. Là, ça va, là? Ouais, c'est bon. Ouais. Ok, ok. Bon, bah vas-y alors, direction, on se retrouve au concessionnaire alors. Ok, y'a pas de trouble, j'attends là-bas. Ok, allez, à tout de suite. As-tu joué avec toi, Pierre? Ouais, vas-y, viens, mon petit David. Ah, par contre, pense à fermer tes petits véhicules, hein, quand même. On m'entend sur la radio? Ouais, je t'entends, ouais. Est-ce que rejoins Kiki? Ok, fais gaffe, hein, Jérôme. Il y a les mecs qui sont repartis avec leur voiture bleue. Il va t'acheter une voiture là ou? Ouais, en fait, il va m'acheter une Connor City. J'aurais dû fermer ma gueule et accepter de la voiture aussi. Par contre, ça, t'as vu? Ah bah ouais, parce que je lui ai demandé si on pouvait... si je pouvais faire celle-là en taxi. Il m'a dit, ah, t'as vu mon projet? Et puis il va me payer la voiture. Cool, non? Bon, par contre, j'arrête de parler de radio. Parce que dans cette voiture, en fait, elle fait des sauts quand je parle à la radio. Si t'inquiète. Ça arrive de toute façon. C'est bien quand même ce nom de piston. Ouais, ça va, mais ça se tourne un peu le cul quand même. La base du voiture de cul. C'est ma voiture, mais elle est facturée. David, retrouve ma garage centrale, s'il te plaît. Comme ça, moi, je pose la voiture et tu me déposes au concessionnaire. Moi, j'ai oublié mon camion. Après, il y a Marc Pierrot. Ah, je suis... J'étais au conseil, il n'est pas encore là.
Oups, je l'avais pas vu ça. Ouais, c'est pas grave. Moi non plus, je l'avais pas vu. Moi, j'étais devant le concert, il était pas encore là. Il doit être arrivé là, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, quand je parle à la radio, et si jamais je tourne, en fait, la voiture, elle se met sur deux roues. Parce que quand tu lèves les suspensions et que tu tournes, en fait, la voiture, elle se lève d'un côté. Moi, ça va pas être le même muscle, à mon avis. Ouais, non, mais moi, sur mon muscle, j'ai tout, moi, sur mon muscle. Sur mon muscle, j'ai la radio, je cours, je lève la voiture, je fais le téléphone. C'est vraiment le bordel, hein. Sacré muscle. Ah bah ça c'est il est complet le muscle. On va facturer putain. Par contre ça avance pas, hein. ça se traîne quand même. Non là je roule doucement là. Non mais t'as vu sur l'autoroute? Je vais te donner la mienne, comme ça elle est déjà modifiée, puis j'ai mis un moteur, transmission. Ah ouais. Oh, d'accord. Bon, t'as déjà une couple de mille dedans, fait que... Ah ok, mais c'est gentil. On va prendre la tenue, puis il va la refaire. Ah d'accord. Bon, on va juste prendre une photo, là, ce pas là. Ceinture de la bonne couleur. C'est quoi ton numéro d'ID? 15. 15? Voilà. Bon, bah, je te remercie, hein, c'est vraiment gentil. Ton taxi. Ah, c'est cool. En plus, j'avais pensé à ça avec Marco, là. Bon, ouais, les discuter. Clés dans la prochaine, dans la fête. Ouais, toi, je veux voir. En arrière, c'est spacieux, en arrière. Ah, ouais. C'est un gros bateau, là, mais c'est le fun. C'est mieux que l'autre taxi. Ah, ouais. Franchement, l'autre taxi, c'est, on dirait il fait des bulles de ferraille, donc. Comment? Les taxis qu'il y a là, au dépôt, on dirait qu'ils font des bulles de ferraille quand tu roules en même. Ah, c'est ça, c'est pas trop bon. Mais ils roulent moins vite, là, mais c'est plus la fin de la chauffer. Ah, c'est normal que je trouve pas les clés? Oui, 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 oui. Kérékou, c'est Pesora. Dans le garage, c'est ça? Non, non. On va les clés, exact. On va les avoir la prochaine tempête. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. En fait, quand il y a personne qui te passe un véhicule, en fait, comme ça, de main en main, oh ouais. Il les a pas tout de suite, en fait. Ah ouais, d'accord. Moi, je savais pas comment ça se passait. Bon, t'as les mains levées, Pierrot. Bah, t'es venu faire un petit tour en ville, Pierrot? Oh ouais, moi, tout le temps, là, le matin. Hein. Ah ouais, bah c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est le matin. Hein. Ouais, pour moi, ouais, c'est ça, exact. Tout le temps là, la nuit. Ouais, voilà, c'est le décalage, ouais. Ouais, moi, moi tout à l'heure, là, j'ai travaillé là un petit peu pendant 2 heures, et puis bah là, je vais peut-être reprendre un petit peu de service, là. Ouais, viens, tu m'as donné un peu l'argent, j'étais. Non, franchement, c'est une jolie voiture, franchement. Ah oh ouais, c'est jolie voiture. En fait, c'est là que tu voulais te départ en plus, hein? Ouais, c'est ça que j'avais parlé, ouais. Ah, merci à Pierrot. Bonus. Oh, ouais. Non, bah ouais, bah tu vois, on se baladait, là, on a fait une petite blague, là, au frère de David, là, où il a fait croire avec les voitures qu'il y avait des mecs suspects, là, vers lui. Ah non! Il part, quoi. Ouais, il a un petit peu fait caca dans son pantalon, quoi. Bah, faut bien. L'avion. J'étais pas loin, donc ça allait. Ouais, faut bien rigoler un petit peu, hein. Ouais, faut pas se prendre des fois. C'est important. Ouais, bah ouais. Bah, en tout cas, c'est cool, hein.
Bah pour une fois, on se croise, hein. Ouais, c'est ça. C'est La dernière rare, fois, hein. on verra. Hier, c'était exceptionnel, là, j'étais venu pour faire un petit peu de pêche et tout ça avec le petit David, là. Ah ouais. Mais bientôt, je serai un peu plus présent en ville, quoi. Ok. Ouais, c'est ça, peut-être ajuster tes heures, là. Ben, quand t'es en vacances, c'est sûr que ça va mieux. Si t'es pas au travail, c'est sûr. Ah ouais, bah ouais, ça c'est... Après, j'aurai Ouais, plus de temps, quoi. voilà. Ouais, Ok. Bah, David, tu vas faire quoi, toi? Tu vas faire de la pêche, toi? là, je sais pas, je vais peut-être traîner, tu vois, droite à gauche. Bah, Toi, vas-y. David, ambulancier, ça t'intéresserait pas? Non, franchement. Non? C'est pas. On m'a déjà proposé, j'étais plus petit. Oh, mais ambulancier avec Pierrot, c'est bien mieux. Je sais pas, j'ai pas. Ça me tente pas pour l'instant, donc. Oh non, pas ça, pas non. Peut-être à l'avenir, peut-être dans l'avenir, qui sait. Comment? Peut-être plus tard, peut-être, à voir. Ah bah ouais, exact. Mais là, franchement, là. Bah ouais. Parce que EMS, là, c'est en plein cœur de l'action. Comme une coche en bas de la police. Comme quand la police, elle va faire leur truc, mais nous autres, on débarque après, c'est fun, là, en fait. Faut faire des belles chaînes, tu sais, c'est pas. On arrive, on soigne le groupe, on s'en va, tu sais, on le pogne à deux, on le met sa civière, on l'embarque dans le char, on l'amène à l'hôpital, on le soigne, on le met dans la salle. C'est plus. Le fun pareil, mais faut le faire comme pour. Sinon, c'est pas le fun. Hein. Ouais, c'est un peu plus. C'est pas. Ouais, c'est un peu plus vivant, quoi. On rencontre du Exact. monde et tout, quoi. Exact. Ouais, bah ouais. Ben, le taxi aussi, pareil, c'est pas pire, parce que tu sais, ben, c'est sûr que ça dépend des heures, comme là, parce que ça ici, c'est plus des heures québécoises. Tu sais, quand le taxi, des fois, il y a du monde qui appelle, mais faut vraiment que tu sois là dans les heures québécoises. Le soir, ben, la nuit, dans le fond, il n'y a pas vraiment de monde. Ah ouais, Mais bah ça va ouais. venir, ça va venir. Ouais, bah ouais, parce que moi, une fois, ouais, si, j'avais emmené la petite Gigi, là, je l'avais emmenée chez elle en taxi. Ouais, exact. Ah ouais, bon, après, Ah, c'est pas voilà, grave. quoi. Bon, ça permet quand même de remplir les caisses, quoi. Ah, c'est ça, exact. Ah, c'est Bon, pas moi, je vais aller prendre mon service, là, un petit peu, puis tout à l'heure, on se grave. retrouve, David. Ouais, y a pas de soucis. De toute façon, je suis sur la radio si jamais t'as. Ok, y a pas de problème. Bah, Pierrot, je te remercie en tout cas. Un plaisir. Et puis bon, Et bah, merci à vous. on va aller travailler. Bah, Ok, allez. attention, hein. Ouais, ciao. À toi, fais aussi attention à toi aussi. Allez, vous faites attention. Bon, on va travailler. Ouais, ça marche. Vas-y, je vais travailler, je te dis à plus Ouais, je tard. vais travailler un petit peu, puis après, on fera la pêche. Attends, je regarde. Ouais, j'ai les hameçons. Ouais, je cherche pas d'ailleurs, là. Bon bah écoute, j'ai gagné une voiture full custom et 10 000 dollars. Ah, c'est bon, t'es. Franchement, tu t'es mis bien, franchement. Ah ouais. Voilà, il y a quelques kilomètres maintenant la voiture, mais bon. Ouais, mais bon. Au moins les customs. Pas bien payé pour la custom, t'es tranquille. Voilà, tout à fait. Bon bah allez, je vais travailler avec mon nouveau taxi. Et en plus, c'est Rico. Ouais. C'est là que tu voulais, en plus, c'est là que tu voulais avec, de départ. Marco, en plus. Ouais, c'est celle-là, ouais. Bah, tu vois, ton vœu, elle a été exécutée, je sais. Ouais. Impeccable. Bon, par Bon. contre, après je sais pas si les gens te plaisent ou pas, toi, mais. Moi aussi, les jantes, ça va. Elles sont. Franchement, il a bon goût. Il a bien choisi. Ça me plaît, ça Ouais, va. franchement, c'est pas vraiment dégueu, tu vois. Ah ouais, bah ouais. Bon. Juste vérifier, faudra juste que tu vérifies si la lumière c'est en LED ou pas, tout Attends, je simplement. vais regarder. Ouais, non, D'accord. c'est pas du xénon, mais bon, on mettra du xénon, c'est pas grave. Bon, bah, gagner une voiture, bah, c'est bon, en tout cas, ça fait une bonne prime. Hein. Ah ouais? Mais du coup, ah ouais, faut que tu changes, bref, ouais. Ouais, bah ouais, faut que j'aille au taxi, que je prenne mon service, je me change, et puis voilà. Bah, je vais faire deux, trois petites courses, et puis après, je te rejoindre à la pêche, et puis bah, voilà quoi. Ouais, ça marche, pas Ok. de soucis. Voilà, Ah. si je passe à. Il va faire quoi, Jérôme? Ah, il y a la police. Jérôme, tu vas faire quoi, toi? Là, j'ai fini un peu mon service, donc je passe bonjour. Du coup, tu vas faire quoi? Du coup, tu fais quoi là? Tu vas faire quoi? Là, je vais acheter des apports pour pêcher. Et tu vas aller à la pêche après ou pas? Et tu vas aller faire de dos d'abord. Oh, on peut faire une petite demi-heure de pêche si tu veux.
parce qu'il y a Kirikou qui va prendre un peu son service et puis après il est à la pêche pour rejoindre. Moi ce qu'il y a c'est que je peux faire une demi-heure de pêche là. Quand j'arrive de ça et à 19h pour que j'aille prendre la sieste. Ah ouais bah ouais, bon bah c'est pas grave, on pêchera tous les deux après. Ah ouais. Ouais, y'a pas de soucis. De toute façon tu reviens plus tard en ville, non? Bah moi de toute façon je serai pas là hein, quand il reviendra. Ouais, y'a pas de soucis. Ouais. Bon bah je vais. Non, tu me rejoins à la pêche plus tard, sinon. Ouais, bah je te rejoins tout à l'heure à la pêche. D'accord? Ouais. Bon bah allez, vas-y, je vais inaugurer le nouveau taxi. Pas de soucis. Ouais, désolé, j'ai acheté les appâts. Oui, je voudrais plus tard à la ville parce que j'ai rendez-vous à 21h30. Ah ouais, et t'achètes tes appâts où là? Vers un endroit de Chambéon. Ah, t'es vers le tabac? Ouais, du tabac là-bas, tu sais. Ouais, c'est pas du tabac, ouais. Ok. Il y a des nouvelles de la voiture de Kirikou. Ouais, je vais voir sur l'autoroute. Oui. Ouais. Tu veux des appâts ou pas? Tu sais que je vais en chercher, tac. Je vais prendre de la réserve si tu veux. C'est bon, je suis à côté, t'inquiète, frère. Par contre, elle est dangereuse la voiture. Bon, voilà quoi. Si tu tournes trop vite, elle bascule, elle se met sur deux roues. Ah ouais, chaud. Après, va pas t'en plaindre, t'as gagné une voiture full piston. Ouais, c'est clair. En même temps, tu l'as mérité aussi. Tu veux dire que t'as passé au taxi, hein, franchement, tu le mérites largement. Ah hein. Oh bah ouais, mais bon, moi j'ai obtenu des trucs, quoi. Dire c'est pas trop tôt quoi. Ouais c'est clair. Oui apparemment j'ai peut-être allé au IMS apparemment. Ouais bah ouais. Bah, tu sais que c'est l'œil, le chef des EMS. Chef d'équipe ou je suis peut-être ou quoi? Oh ouais, il est chef EMS. Bah, je sais pas si t'as entendu ce qu'il a dit. Il a dit les taxis Pierrot, les ambulances Pierrot. Je me demande s'il est pas patron de l'hôpital, lui aussi. Ça sert à rien, franchement. C'est ça, je trouve, moi, je me balade dans sa voiture, je vais me faire tirer dessus. Tu sais, en général, ce genre de bordel, tu évites au maximum, tu vas se le dire.
Ouais, bah ouais. T'arrives à la pêche? Oui, j'arrive. Personne, je suis d'allure. Vas-y, je vais venir vite faire la pêche là, je vais faire voir mon nouveau taxi à Jérôme. Franchement, elle est beau gosse la voiture. Avant que j'aime comme ça les voitures, moi par contre. J'arrive à la pêche. Encore 3 km 60 et je suis sur la pêche. Ce sera avant moi. On est bien là. On a un beau taxi. Hein. On est beau gosse maintenant. C'est vrai qu'il a fait qu'il t'appelle. Par hasard, quoi. En fait, tu vas me dire qu'il était en habit de taxi et qu'il avait du taxi en main, quoi. Ça me paraît bizarre tout à l'heure. Bah en fait, quand tu as eu tes problèmes aux yeux là, j'ai vu la voiture là. Quand j'ai dit il y a une voiture noire qui arrive là, bizarre. Et en fait, c'était lui quoi. En fait, il est venu me voir direct. Ah, ça vous a permis de discuter un petit peu ensemble quoi. Ouais, bah ouais. On a pu mettre les choses à plat. Oh, il est pas méchant Pierre au fond, mais il a sa façon de dire, à mon avis, les choses, comment ça veut dire. Excuse-moi, j'étais en train d'acheter à manger, ouais. Ouais, non, franchement, il a l'air réglo quand même. Hein. Ah, c'est juste là sa façon de parler. Il a sa façon de parler, à mon avis, tu sais, et puis.
Bon bah comme ça je ferai un custom comme je veux sur la sur l'autre voiture comme la tienne. Bah du coup j'ai testé là pour venir ici 187 km/h. C'est déjà écrit comme ça. Ouais, je vois c'est à côté vu que pour l'instant j'ai pas les clés encore. Ouais, c'est. Tu sais, c'est. Ça fait un tempête où tu as les clés, tu sais, quand tu. Quand il y en a qui te les donnent, tu vois, ou. Si tu Ah vois une ouais. voie. Tu vois, c'est. Pas comme les concessionnaires, tu vois, où tu t'appuies sur le bus pour le. Ouais, bah ouais. Pour. Bah en fait, faut faire quoi? Faut un contrat, faut faire. Non, non, là en fait. Normalement, il a pris ton ID, d'accord? Ouais. En fait, ton numéro de social, en fait. Ouais. Et tu sais, quand tu vois le numéro, tu sais, de loterie. Ouais. En fait, tu tapes là-dedans, tu tapes slash. Ah, ok. Slash, l'ID de la personne, ça fait maintenant 15, un exemple. D'accord? Ouais. Et l'idée et la plaque en fait de la voiture. Ah, d'accord. Par exemple, maintenant 15 espace, tu vois, 19 YNE 408, tu vois. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, parce que dans certaines villes, il faut prendre des contrats, des certificats à la préfecture, quoi. Ouais, là, mais ici, c'est comme ça en fait que ça se passe. Ah ouais, moi. Bon, bah franchement... Toi, tu fais. Voilà, comme si tu voulais écrire dans le chat, en fait, pour que tout le monde le voit. Ouais, bah ouais. Et après, voilà, tu fais ça, quoi. Bon, bah voilà, tu vois. J'ai gagné ma journée, là. Ah, pardon. Non, tu vois, je pense que. Il y a la façon, tu sais. Il a sa façon à lui de dire les choses, tu sais. Ouais, bah ouais. Peut-être sur le coup, c'est méchant, tu vois. Mais à mon avis, au fond de lui, tu sais, où lui, il pensait pas que ça blesse les gens, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais, parce qu'à chaque fois, moi, il a toujours été gentil, tu vois, mais c'est vrai qu'il a une façon de parler. Bah, par contre, je t'avouerai que quand il parle, il parle tellement vite, je comprends pas tout ce qu'il dit. Hein. Ah, sinon, je lui dis de parler moins vite, hein, et c'est le. Tu vois ce que je veux dire? Ah, dis-moi, Jérôme, t'arrives en marche arrière ou quoi? C'est Marco, tu sais que Non, Marco au non, début. j'arrive là, je suis à 800 mètres. Tu sais Marco, toi Ouais. Marco, là, au début c'était pareil. Ah ouais. Oui, mais il est pas chez les autres. Jusqu'au jour où je lui dis, écoute Marco, je t'aime bien, mais la moitié de Ouais, pas tu ce que m'as tu me rendu. dis, je comprends Je vais plus vous rien, quoi. rassurer. Ah ouais. Bah, franchement, elle était bien la petite blague qu'on a fait à ton frère. Il y avait un Ouais, mais ça moldu dépend. qui était planté au milieu de On la aurait route. dû lui éviter à le dire à Pierrot parce que. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Non, mais je veux dire, parce que mon frère, en fait, il a. Soit il est Et le pas. moldu, il s'est fait renverser par un autre moldu. Il est pas Ouais. à l'aise dans ce genre de situation, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais t'inquiète, de toute façon, on est là pour lui. Ah bah tiens, regarde, c'est Lucas où il va avec son camion. Ah, bah d'accord, lui, avec le camion carrément. Ah ouais, carrément. Il aurait dû prendre la voiture. Mauvaise idée de le placer là en fait. Elle a du mal à se garer. Regarde-le, il est pas marrant. Regarde-le, il va pas aller les coups de volant, passer par là. Ah c'est vrai, c'est chaud ici jusqu'à là. Avec un camion c'est chaud. Ah ouais, bah déjà, moi quand je suis avec le gardien, c'est galère. T'aurais dû prendre la voiture, frère. Moi, la vache, franchement, elle est classe la veste, hein. Ouais. Vas-y, Voilà, j'ai montre. pas de trou. Pas de trou. Ah ouais, y a pas de trou. Bah, t'as vu mon nouveau taxi? Oh, c'est la classe, hein.
Ouais, vas-y, vas-y. Belle la voiture, hein. Franchement. Jérôme, Jérôme, ah ouais. Pour tester une voiture, tu sais comment tu fais? Comment? Je te montre, attends. Ah, dégage, toi. Putain, quelle connasse là. La voiture, tu... Regarde, regarde, regarde. À descendre de ma voiture. Bon bah. Ouais, vas-y, on va visiter chez Kirikou. Bah, t'as mis des 300 sur mon toit. Ah non, moi je les vois pas les 300. Moi j'en vois, il y en a plein. Ça va, t'as pas eu trop mal? Non, non, t'inquiète. Ah, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi violent, quoi. Bon allez, moi je vais travailler un petit peu. Par contre, David, je vais peut-être pas avoir le temps de pêcher après. Ouais, c'est pas grave, j'ai vu. Comme il est tard. Attends, je vais juste contrer un truc. Ouais. Ah oui, regarde ton corps, Attends, tu disais Jérôme? Le petit loup derrière. Ouais, bah, bon, il a... Ouais, bah ouais, je le vois. Il est méchant. 0,01 dans le coffre. Mon chéri. Ah, il me dit, il n'y a pas de véhicule près de moi. Ah, si. Ouais, bah ouais, je vois, c'est 0,1, quoi. Le mec, ton petit, toi. En fait, la voiture, elle a pas de coffre. Mais je pense que c'est le temps que j'aille les clés. Non, 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 je te rassure. Ah non, parce que moi, j'ai... Ouais, donc on peut rien mettre dans le coffre. Ça me paraît bizarre, quand même. Des petits coffres comme ça, même dans la camionnette que j'ai remis acheter hier, tu sais. Oh, ouais. Elle a le même coffre que toi, en fait. Ouais. Bah, si ça se trouve, si ça se trouve, il a mis de la sono dedans. À mon avis, il faut peut-être te signaler, tu sais, peut-être. C'est un souci, tu vois ce que je veux dire. Bonsoir, je me suis fini. Ouais, de toute façon, je mets rien dans mon coffre, je m'en fous. Eh ben attends, je vais essayer un truc. Non, mais si tu veux essayer de mettre un truc, j'ai déjà essayé de mettre des hamburgers, ça marche pas. Il n'y a pas de place. Attends, j'essaie de mettre un truc dedans. Eh, David, prends dedans. Tu sais que j'ai essayé de mettre mon arme dedans, c'est trop lourd. Ouais, ouais, non, tu peux rien mettre dedans. J'ai essayé les hamburgers, ça marche pas. Bon, bah allez, moi je vais aller travailler. Je vous dis bonne pêche, les gars. Ouais, bah. Voilà, c'est juste histoire de tester un peu le taxi. Puis après, je vais rentrer et je vais aller me coucher. Ouais, bah tu me tiendras informé quand on reste à la radio. Puis. Ouais, de toute façon, je reste sur la radio et puis j'envoie un message radio quand j'arrive à la maison. Ouais, de toute façon, on reste sur la radio. De toute façon, moi je pêche après, je vais venir et je rentre aussi chez moi à la maison. Ok, bon bah vas-y, à plus tard les gars. On reste en contact radio. Et te perds pas, papillon. Ah non, t'inquiète, tu es la classe. En fait, ça y est, ton cul, il s'est refermé un petit peu, là. Ah ouais, là, tu vois, il a guéri avec le cœur de la voiture, là, il est guéri. Je peux te faire un deuxième coup de balle, si ça te manque. Oh, non, non, je te remercie. Ma troisième, ma quatrième, tu vois, ça dépend de combien de temps je veux.
Mec, là, c'est pas scandaleux, quoi. Qu'est-ce que j'ai, Rome? Spirit Tempest pour... Spirit Tempest pour arriver là-bas. Tu crois? J'ai couru jusqu'ici, moi, pour aller à la pêcheur. T'as droit à la pêche seulement, hein. Bon, moi ça m'a fait une prime à plus de 300 000 dollars quoi. Ouais, c'est clair, franchement tu t'es mis bien là. Ah ouais, mais faut faire ça, faut la jouer subtile. Tu vois, tu fais 2-3 trucs et puis après ça marche. T'as vu au bout de combien de temps tu l'as eu? Oh bah ouais, c'est clair. Il aurait pu le faire plus tôt, quoi. Ouais, mais t'as vu, Dewact, il a dit, allez, viens, on va l'acheter, tu vois. Mon ami, parce que j'étais à côté aussi, tu vois ce que je veux dire. Bon, après, à mon avis, je pense qu'il est venu me voir pour ça. Hein. Ah ouais, tu suis certain. Bon, tu vois, faut rester cool, mais savoir dire, tu vois, comme hier, quand il m'a dit, ouais, si ça va, il fait, ouais, mais bon, les salaires, pas trop, quoi, tu vois ce que je veux dire. Bon, il coule le taxi, non? Et je me suis pas mis en service. Voilà. Je me mets pas en service, je risque pas de trouver de client. Oh, maman, monsieur, on y va, c'est parti. Bon, on a notre beau taxi maintenant. Impeccable. Bon, je vais faire 2-3 courses et puis après je vais arrêter. Par contre, je sais pas si elle est vraiment full custom quoi.
En fait, je sais pas si je sais pas combien elle va en temps normal, quoi. D'abord, je pense pas qu'elle soit full custom non plus. Je vais la full custom après. Pom 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 pom. Et voilà, tout vient à qui sait attendre. Ah bonjour madame, vous allez où? Ok, c'est parti, on y va alors. Ça va, Kirikou? Oh, ouais, impeccable.
Ah, j'aime bien ma nouvelle voiture. Hein. Et tu ricou? Ouais, mon petit David. Est-ce que tu t'en du coup ou pas? Comment ça, j'ai pas compris. Et c'est un jeu de mots en fait, tu les coups, tords les coups. Vous voyez? Ah ouais, ok. Alors t'en tords des coups ou quoi? Ah ouais, ouais, bah ouais. Ouais. Si, faut arrêter la branlette, ça rend fou. Hein. Ah ouais, mais c'est parce que je suis concentré sur la route. Et bien tombé ces clérics, t'inquiète. Bah par contre, là, ça, c'est terrible. À chaque fois que je pars, comment elle burn. Oui, ça sort des petits trous, si tu veux, sur la voiture. Ah non, t'inquiète, je maîtrise. Tu veux pas les petites roulettes, Kiriko? Non, non, ça c'est pour toi, les petites roulettes. On arrive. Bon, je vais aller vendre et puis je vais aller à l'hôtel. Ouais, ok. Bon, est-ce que t'as l'application ouverte là ou pas? Ah oh, ouais, j'ai tout ouvert, ouais. Au pire, j'arrive à te parler dessus un peu, si tu veux. Ok, y'a pas de problème, moi je vais pas tarder aussi bientôt. Oui, après tu... l'application... Pas du mal, c'est ce que je pense, c'est sur la maturité. Hein. Sir.
Pam pam pam. De loin, du coup? Passe devant. Signe-toi sur cette voiture. C'est quoi? Toi, les clignotants sur la voiture? Combo. Ouais, je suis... Enfin, je suis pas prêt. Vous cliquez ici? Ah ouais, mais... Bon, je te ferai voir si tu veux. Ah, moi, je suis... Faire un archer sur le côté. Parce que peut-être là, je ne vais pas très bien, tu vois. Ah, oh, bonjour, monsieur le policier. Bon, moi, j'emmène un petit client là, c'est un policier moldu. Ah, ouais. Pour lui, à Donald, c'est du café. Oh ouais, bah ouais, je voyais des feux avec lui, il va être content. Il n'y a rien. Si je me fais arrêter, je dirais que c'est lui qui m'a dit de foncer. Voilà, tout à fait. Tiens. T'as vu là où je suis passé? Ah. Ah, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message chez vous? Non, non. Non. J'ai reçu un message taxi qui me demande si je peux passer là avec mon taxi. Non, non, c'est pas moi tout ça, donc... C'est pas nous. Moi, je vais me coucher, Périgou, tu me dis à tout à l'heure. Ouais, c'est bizarre. Non, en fait, le mec, je te dis le message. Quoi, le mec? Moi?
Kiriko? Ah, attends deux secondes. Ouais, le mec il me dit, Kiriko, pourquoi tu passais ici avec ton taxi? Quel secteur? Ah, je sais pas, je suis vers le tabac. Et on t'a envoyé un message en disant pourquoi t'es passé par là-bas? C'est bizarre cette histoire. Hein. Ouais, je sais pas, il y a plusieurs numéros, j'ai marqué qui c'est, il y a un autre numéro, il a marqué qui c'est. Fais attention à toi, c'est le coup. Ouais, ouais. J'arrive sur tes yeux. Bonne nuit à tous. Ok, bonne nuit. Je vais aller, ok, bah vas-y, bonne nuit alors. Bonne nuit. Moi je vais envoyer un message à Pierrot pour voir si c'est lui qui m'a envoyé un message, mais c'est bizarre. Ouais, pas de soucis. Tu me tiens au courant? Ouais, pas de problème. Allez, bonne nuit, Pierrot. Allez, bonne nuit.
David. Putain, il est grave. Allez, arrête-toi, toi. Ah merde. En fait, c'était Pierrot. C'est n'importe quoi, il fait des blagues. En fait, il est au garage à Francky, donc ça doit être l'hôtel Esquestom. Il m'a vu passer et il a fait une blague, quoi. Pourquoi tu passes par là? Ah putain. Ouais, bah ouais. Par contre, il y a un autre taxi en ville parce que il y a quelqu'un d'autre qui a répondu, regarde. Bon, ça a chirpé, hein. On ne dira rien. Regarde. En fait, tu vois, là, donc là, il y a Pierrot qui m'a dit Kirikou, pourquoi tu passes ici avec ton taxi, tu vois? Moi, j'ai marqué qui c'est. Il y en a un autre qui a marqué qui c'est. Et lui, il a marqué qui c'est. Et en fait, qui sait, il a fait avec ses deux numéros. Ah non, c'est avec ses deux numéros. En fait, moi, j'ai le 77 et. Bon. Bon, c'est un blagueur, Pierrot, quoi. Maintenant, on sait que c'est un blagueur. Ouais, bah ouais, bah de toute façon, moi je vais arrêter là. J'ai trouvé un dernier client sur Paletto. Et puis après, je vais arrêter aussi. Parce qu'il est déjà tard et je vais manger, regarder un petit truc avec ma femme, tranquille. Ah ouais. En même temps, il a quel âge son frère? Un paquebot la voiture. Bah moi tu vois j'ai acheté l'un et j'ai acheté l'autre. Bon j'aurais pu m'abstenir mais bon bah. Bon, tu me diras en plus je les ai même pas custom la plupart quoi. Moi aussi il faut que j'arrête d'acheter des voitures et que je custom. Alors, lui, on va éviter de le faire bugger. Ah non, c'est bon, il est chez lui. Tu vois, il y a encore le son là. Regarde, il y a encore ton son sur le toit de la voiture, tu le vois?
Pourtant, je l'ai lavé, je crois. Regarde, tu vois, là, je vais accélérer. Regarde comment elle patine. Elle borne à mort. Mais je ferai vérifier, je vais vérifier. Je vais aller, j'irai faire les feux xénon et je vais vérifier s'il y a vraiment tout installé dessus. Bon, après, tu me diras. Moi, je pense, hein, parce qu'elle accélère bien quand même un coup qu'elle est lancée. Bon, en même temps, c'est une grosse voiture. Ah, ça fait trop plaisir, franchement. C'est quand même mieux que les taxis de base. Hein. Bon, du coup, c'est pas. Ouais, c'est clair. Du coup, c'est pas toi, c'est ton frangin qui va faire des. Qui va faire une collection de camions. Bon, en même temps, moi, je suis pas malheureux, hein. Regarde. Si tu regardes mon compte en banque, ça va. Je suis bien. Je suis pas lésé. Désolé mon grand, je t'avais pas vu. Ah ouais. Bon, en fait, ce qui serait cool pour toi, c'est soit qu'il y ait quelqu'un qui bosse avec toi, pour que tu puisses faire plus de tournées. Ou alors, ce qui serait bien, c'est qu'ils mettent le double emploi, quoi. Comme ça, quand t'as fini ta tournée, que t'es tout seul, hop, tu fais autre chose à côté, quoi. Bah tiens, lui, il va à la pêche. Hop, je vais me mettre hors service. Ah ouais, mais j'ai plus de voix. Ah ben non, je suis con. Ah oui, je suis con, je peux. Si je vais la mettre dans mon garage. Ouais. Ouais, ce qui serait cool, c'est le double emploi, tu vois, comme ça, tu fais ta tournée, hop, tu peux faire autre chose après.
sais ce qui me fait encore le. Ce qui est le pire. Non, je voulais aller me coucher. Bon, on va voir ce qu'il veut. Ok, il veut que je passe chez Francky. Frankie, abonne le char dehors, on va te peinturer dehors. Bon, ça va, Pierrot? Ça va, toi? Bon, ouais. J'ai acheté, parce que j'ai acheté la même voiture, puis je voulais la mettre la même couleur. Ah, ouais, d'accord. Je pense que t'es un peu plus orange. Ah, ouais. C'est ça que je pensais, je sais qu'elle est un peu plus orange que la mienne. Ah ouais, c'est, ouais, ça fait un peu plus orange, ouais. T'es pas sûr, je me promenais avec, là, je me suis dit, ouais. Ah, répare-moi ça, Frankie. J'étais pas sûr, là. Oh. Elle est plus banane, puis elle est plus orange. Ouais, c'est ça, ouais. Un peu plus orange, ouais. Ah, t'as eu la chance en plus, j'allais finir mon service. Ah non! Ah, t'es pogné à la dent. Bon, ça va. J'ai réussi à même les mettre roux, les mêmes roues. Ouais, ben ouais. Ouais, semblable pareil, là, à part la couleur, on va faire. Si elle avait besoin peut-être de la mettre à côté, l'un à côté de l'autre, on va avoir la même. Là. Ouais, ben ouais, comme ça, elle va trouver la. Elle va trouver la couleur des ouais. Ah, donc, oui, c'est là le LS Custom. Ah, voilà, comme ça, tu vois la bonne peinture. Ouais. Ouais, jaune banane. On est bien là, je crois. Yes.
Non, l'autre, ouais. Exactement. Bon, pour cette erreur, c'est toi qui payes. Y aller, Kirikou, je t'en retiens pas plus longtemps. Ok, y'a pas de problème. Bon, plaisir. Bon, y'a pas d'autres problèmes. Hein. Bon, bon, messieurs. On a le même char, c'est bon. Ouais, voilà, impeccable. On a la classe, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Tranquillement, je vais en acheter à tout le monde, est-ce que je pourrais rester? Ok, d'accord, bon, y'a pas de problème. Bon, ben, moi, je vais rendre le service et je vais rentrer chez moi. Ok, c'est bon, y'a, merci. Okay. Ben, y'a pas de problème. Allez, bonne journée, bonne messieurs. Journée, plus. Par contre, il parle pas lui. Non, faut que je retourne chez moi, moi. Bon, comme ça, elle l'a réparé. Il est spécial, hein. Bon, moi j'ai visité le garage à Johnny, mais il est un peu spécial, hein, quand même. Ah non. Par contre, le mec il parle même pas, quoi. J'ai raflé le pare-choc. Non, j'ai pas reconnu, non. Ah merde, j'ai oublié de rendre mon service, putain. J'ai oublié de rendre mon service comme un abruti. Ah non, je l'ai pas reconnu, ouais. Il était pas blond. J'étais sûr qu'il était blond, le mec, quand on l'avait croisé. En tout cas, il était moins causant là. Hein. Bon, maintenant on sait que Pierrot, lui, va pas chez Dahlia, par contre, il va chez Johnny. Pourtant, il l'a appelé Johnny. Hein. Non, bon, on s'en fout.
je sais plus. Ouais, enfin bref. De toute façon, on sait très bien que. Qu'on se posera pas de questions. Ah, Johnny. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Oh putain. Ouais, oh, je sais plus. Bon. Ah là là. Bon, en tout cas, j'ai gagné une voiture. Donc, une voiture full custom et 10 000 dollars. Allez, chut, hop là. Maintenant, je rentre chez moi. En plus, ce qui me fait délirer, c'est qu'il a mon. Il a mon numéro, normalement. Ouais, il a mon numéro. Mais oh merde, c'était là. Mais il m'envoie des messages taxi, quoi. Quoi? Pour avoir volé une pantoufle. Ah, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas suivi l'affaire. Mais oui, c'est vrai, je me rappelle que Johnny il est mort, ouais, c'est vrai. Ah bah je regarderai alors. Re. Ça y est, t'as été promener le chien. Après, ouais, franchement, il me fait délirer, quoi, avec ses messages taxi, quoi. Ah ok, il s'est fait trucider en prison pour avoir volé la pantoufle de son co-détenu, quoi. Ah ouais. Chaud. Mais bon, c'est moi, c'est une mort RP qui a du sens, quoi. T'es en prison, tu es les mecs qui rigolent pas, quoi. C'est vraiment répétitif hein, quand même les moldus. Hein. Parce que les motards ils sont toujours là, dès que tu passes, hop, ils s'en vont. C'est une boucle quoi en fait. On va tous avoir la même voiture au taxi. Bon, ça veut dire que le petit Diego il va être bien. Il aura gagné deux voitures au taxi. Ouais. Oui, bah oui, forcément. De toute façon, il a fait la demande de mort RP. Et puis, voilà, ils ont fait un truc.
Mais il est con lui ou quoi? T'es con toi? J'ai de la thune sur moi ou pas? Déposer, ouais. Ouais bah oui tu m'étonnes. Hop, voilà. Bon bah je rentre mon taxi chez moi quoi. Société Croque-Mort & Co. Bon bah voilà, on rentre à la maison. Hop. Aller dans ma chambre d'ado là, putain. Rends-moi un petit coup, rends-moi un petit truc que vite fait avant. Voilà. Donc voilà, voilà. Bon bah les gars, je vous laisse. Hein. Donc vas-y, hein, David, Jérôme, je vous dis à la prochaine. Et puis bah voilà quoi. Voilà, voilà. Bon, bah allez, moi je vous dis ciao les gars. Ciao tout le monde, on se retrouve plus tard. C'est la fin de live. Merci, merci. Allez, ciao les gars.